Alors, les trucs d'animation sur Internet, c'est bien, vos commentaires, c'est absolument génial, mais c'est des fois un peu frustrant. Et si on se voyait en vrai? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver au Forum des usages coopératifs du 3 au 6 juillet à Brest. Alors, il s'agit de la 8e édition de ce forum qui réunit en fait tous les acteurs très très divers de la coopération dans le monde francophone. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'au tout début, donc il y a 16 ans, puisque c'est tous les 2 ans, eh bien, j'avais un petit problème parce que je faisais partie de comités, de groupes très très différents. Et j'avais un problème pour venir au Forum de Brest, c'est comment je m'habille. Parce que d'un côté, eh bien, je développais des télévisions de proximité, de participative, dans des squats. Et donc j'étais habillé d'une certaine manière. De l'autre côté, eh bien, j'animais aussi des groupes au sein de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et donc c'était pas tout à fait la même tenue vestimentaire. Donc voilà, c'est le genre de questions très très intéressantes. Mais finalement, bon, je m'en suis quand même bien sorti. Mais c'est intéressant parce que justement, c'est un endroit où les acteurs extrêmement divers se retrouvent et c'est là où vraiment il y a ce brassage d'informations. Alors, c'est vraiment une très bonne occasion de se voir. Ce forum, c'est tous les 2 ans, donc surtout ne le ratez pas du 3 au 6 juillet à Brest. Et puis l'année prochaine, si jamais vous souhaitez encore qu'on se revoie, eh bien, il y a 2 autres forums qui vont se tenir. Un qui sera le forum Moustique à Montpellier et l'autre Co-construire à Tournai, donc en Belgique. Donc on aura encore d'autres chances de se rencontrer et donc essayons de nous rencontrer 1 ou 2 fois par an. C'est un bon moyen pour échanger. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce forum? Eh bien, il y a plein de plénières stimulantes. Alors là, vous allez voir, il y a trois. En général, le matin, on commence par un petit moment donné, bon, où ça remue un peu les méninges, quoi, avec plein d'idées. Mais vous avez aussi des sessions suivant vos centres d'intérêt. Alors, plutôt certaines sur les territoires, sur l'éducation, la culture, l'organisation ouverte, ou les plateformes, ou encore l'inclusion. Et puis, vous avez des tas de petits ateliers pour apprendre des tas de choses. Et pour la première fois aussi, d'ailleurs, des pratiques coopératives pour s'essayer à des techniques comme le World Café, comme les cercles samois. Enfin bref, plein de techniques que vous allez pouvoir découvrir justement dans ce forum. Et puis pour ma part, eh bien, je vais le mardi 3, donc l'après-midi, c'est le off, un peu comme au Festival de Cannes. Et là, je vais animer les cartes de l'animateur. C'est-à-dire que si vous avez suivi ma série de vidéos, eh bien, vous allez pouvoir l'avoir en live aussi pour, en l'espace de 2 à 3 heures, avoir toutes les clés pour que votre groupe se développe naturellement en y passant peu de temps. Et tout en ayant suffisamment de participants et suffisamment de coopération. Donc c'est un atelier tout à fait gratuit, hein. Et puis sinon, je vais animer lors du forum aussi un atelier pour savoir raconter une histoire pour transmettre son projet. Je me suis rendu compte à quel point le storytelling pouvait être extrêmement intéressant pour la coopération, pour permettre de mieux transmettre, de échanger sur nos projets. Et puis un autre atelier un peu recherche qu'on va animer à quelques-uns sur Inventons ensemble l'étape d'après dans la coopération. Et donc je vous donnerai quelques éléments sur les éléments qui sont juste voilà, là où on cherche aujourd'hui pour aller encore un cran plus loin. Et puis surtout, eh bien, le plus important finalement dans tout ça, eh bien, c'est aussi les échanges informels. Vous allez pouvoir rencontrer des tas de gens, vous allez avoir des idées extrêmement stimulantes. Bref, c'est un moment où moi je suis toujours ravi de rencontrer plein plein de monde. C'est le moment de se retrouver. Donc, à vous de jouer. Vous pouvez aller donc sur forum-usage-coopératif.net pour voir le programme, vous inscrire. J'espère que nous aurons la chance de nous y retrouver. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires ci-dessous, à vous abonner à ma chaîne, à liker. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Un bon moyen de préparer si vous souhaitez participer à la session de formation gratuite sur les cartes de l'animateur. Donc, le guide de l'animateur téléchargeable ici, directement, gratuitement. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.